What up les gens, c'est Depiero Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Motorsport Manager et on se retrouve pour l'épisode où on va faire le Grand Prix d'Angleterre, le Grand Prix de Grande-Bretagne, tout simplement. Et puis, alors si vous n'avez pas vu le dernier épisode, allez voir le dernier épisode évidemment, on a fait une belle course hein, au dernier épisode, donc ça c'est cool, ça c'est très cool, je vous invite à aller la voir. Pour l'heure, juste une petite chose pour vous remettre dans le bain évidemment, c'est qu'on a une pièce là, une transmission performance, bonne performance, hein, ce qu'il faut, mais on a quand même un risque de transgression et ça c'est super intéressant, on va l'utiliser quand même parce que bon bah après tout, hein, voilà, le siège n'a toujours pas bougé, de toute façon on n'a pas du tout suffisamment de pognon pour développer ça, le personnel, donc on a un nouveau qui s'appelle Kay Goslin, qui m'a l'air vraiment pas mal. Du coup, pour rompre le contrat, il va coûter une blinde. Mais bon, voilà. Très bien. Et puis, pilote, on n'a rien de nouveau. Les finances, ça se passe bien. Les sponsors, ça se passe bien aussi. L'écurie en elle-même, on est bon, comme vous pouvez le voir. Il faut maintenant améliorer la voiture. Et je pense que c'est la voiture de base, à mon avis, que là, ça prend en compte. Mais bon, on a un line-up qui est pas mal. Et surtout, on a demandé à notre recruteur, David Whitley, de chercher des perles rares parce que eh bien, faudra qu'on remplace, à mon avis, Aurélie Dembélé à la fin de la saison. Et on a observé quand même pas mal de, eh bien, pas mal de, comment ça s'appelle, de pilotes jusqu'à présent, mais pas de pilotes incroyables, voilà. Donc il reste 4 courses avant la fin du championnat, déjà, et ouais, ça passe vite hein, quand même, ça passe vite. Sans plus tarder, on va aller tout de suite faire la course in London. Et je vais prendre un risque, je vais prendre 6ème, voilà, je vais prendre ça, pour la simple et bonne raison que c'est la dernière fois qu'on aura ce sponsor là sur notre voiture, que les dernières fois, regardez, on a fait 5ème, 8ème, 7ème, qu'à chaque fois Valdez s'est fait rentrer dedans sur ses 3 dernières courses, et on lui a pété l'aileron, donc, potentiellement, avec la voiture qu'on a, on peut aller chercher ce genre de résultat. Alors, on va installer, c'est l'heure d'installer les pièces. C'est en même temps, là, je prends un super risque. Parce que la pièce, elle est vraiment pas hyper... Allez, on prend le risque. On prend le risque. On prend le risque. On va mettre tout sur Sergio, hein, évidemment. Mais voilà. Donc oui, je suis désolé Aurélie, mais c'est comme ça. Voilà. Très bien. Continuez. Donc là, on est bon. On a mis bien les bonnes pièces, là. On est... Bon, à part la transmission qui a potentiellement un risque. D'ailleurs, le moteur est pas top, là, chez Aurélie. Pourquoi le moteur est pas top? Hein? Ah mais non, voilà. Là, comme ça, c'est mieux. C'est mieux, là. Oui, 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 c'est ça. 82, oui, c'est ça. Voilà, comme ça, on est mieux. Allez, on se retrouve pour les essais libres Grand Prix de Grande-Bretagne. Un espèce de Silverstone fait maison. Hop, on prend comme d'habitude les mêmes personnes. Ok, bah là ça m'a l'air d'être pas mal, on va lui mettre les super soft, tiens, pour essayer. Et puis on inversera les rôles juste après, évidemment pour les essais libres du Grand Prix. Allez hop, on va envoyer pour 2 tours, choix des pneus, très bien, 2 tours, on t'envoie, tac, on perd pas de temps. Pareil pour Aurélie, 2 tours, tac, on perd pas de temps, allez. Eh ben dis donc, il y a du temps là. Prévision météo, pour l'instant on n'a pas de problème, j'ai l'impression, donc tant mieux. On est premier à sortir. Ok, on arrive sur la fin là maintenant. Valdez est plutôt satisfait de sa voiture. Donc ça c'est première nouvelle. Ça c'est assez excellent je trouve. Ça c'est cool. Alors on va voir effectivement comment ça se passe. Excellent. Bonne. Mauvaise. Alors... C'est pas de l'accélération qu'il faut. C'est plutôt de la vitesse de pointe du coup. Tac. Et on va te donner un chouïa de plus de sous-virage peut-être. Tac, on va l'envoyer Aurélie. Alors, elle par contre, elle a l'air satisfaite aussi, ça c'est cool. Hop, très bonne, bonne, mauvaise. Donc elle m'a dit qu'il fallait beaucoup plus d'accélération en fait dans les virages. Donc on va revenir par là. Ça m'a l'air d'être pas mal. Et puis on va rester comme ça, hein. En fait, tac, et on va te mettre les médiums. Enfin, les softs. Je fais toujours l'amalgame.
Allez, c'est reparti. Ok, bah fin des essais et on a réussi à faire des bonnes perfs déjà, parce que d'habitude on était plutôt dans les derniers. Bon, même si là on n'est pas dans les premiers, hein, mais voilà. Et ils ont l'air assez satisfaits en fait de leur voiture, mais vraiment super satisfaits. ZRT, ouais, Sergio, quelle déception pour ce qui s'est passé pour les gens, on a du boulot d'ici dimanche. Hein? Mais cette session d'essais libres, non. Le problème, ils n'avaient pas l'air dans leur assiette. Non mais, putain. C'est là où c'est un petit peu dommage, c'est que ça reflète pas effectivement ce qu'on a. Je pense que doit y avoir... Oh, il pleut! Oh la vache! Ah punaise, il pleut. Et on n'a aucune donnée sur les pneumatiques pluie, quoi. Là, il pleut. La piste est humide, sera bof humide. Ok, d'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Pneu tendre, réglage de la course, ça c'est sûr. De toute façon, on n'a pas les médiums. Et réglage de la course. Ça m'a l'air pas mal. Réglage de la voiture, du coup. Ah, voilà, des bonnes têtes qui font plaisir. Les pneus. Alors, actuellement, faut partir avec quoi, là, à ton avis? Comment on sait avec quoi il faut partir? L'humidité de la piste, je dirais intermédiaire. On est obligé, on va mettre ouais, 10 tours. On va partir avec les intermédiaires. Enfin, je vois pas... de toute façon, c'est sûr qu'on part pas avec les secs. Hein. On va lui mettre les intermédiaires aussi. On va lui mettre 10 tours d'essence. Et ça devrait être pas mal. Et stratégie pilote, boum. Hop, pour le début du Grand Prix. Et on sait pas quand est-ce qu'il arrêtera pleuvoir, mais... ouais. À mon avis, ça va être intéressant. Bon, ok. Ok, ok. Let's go to the race. Vous avez des sections inadaptées Ah, bah non. Alors du coup, c'est pas les intermédiaires qu'il faut mettre. C'est pas les intermédiaires, c'est les wet. On va mettre les full wet. Voilà, les full wet. Très bien, les full wet. Voilà. C'est bon. Les pneus inadaptés aux conditions actuelles. Mais gros, il est en train de pleuvoir. Humide sur la piste. C'est pas sec. D'accord, donc en fait, ce jeu est complètement con. Bon, m'en fous, je vais... Bon, c'est quoi? Je vais partir avec les intermédiaires. Comme ça, on prend pas trop de risques, entre guillemets. Voilà. Oui. Voilà, on bat les couilles. Eh ben, ils partent tous en super soft. Putain, quelle connerie. Oh, je sens qu'on a fait une connerie. Je sens la grosse connerie arriver, là. Allez. Extinction des feux, c'est parti. On va faire un sale départ, évidemment. Oh, s'il te plaît, faut que la piste se mouille, quoi. Sinon on fait... Oh là 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 là. Je sais pas si c'est la bonne stratégie, mais bon, bah, on va voir. Hein. De toute façon, faut chauffer les pneus, faut espérer que ça va tenir. Mais... Oh là 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 là. Enfin là... On... Si, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, Catherine, comme disent les Anglais. Ça a l'air d'aller, en fait. Ça a l'air d'aller. 346 km/h de vitesse de pointe. Alors, il a arrêté de pleuvoir. Est-ce qu'il va repleuvoir après? Mange-toi seul. Hein, hein, ah, les salauds. Ils se mettent des trucs dans les dents, les mecs. En tout cas, Aurélie fait le taf. Ça, c'est cool. Sergio fait le taf aussi. Les pneus ont l'air de bien fonctionner. On va essayer de se mettre sur un carburant élevé. Comme ça, au moins, on cramera pas trop de... Allez, faut qu'il repleuve. Repleuve, s'il te plaît. Faut qu'il repleuve. Allez, pleuve, s'il te plaît. Faut qu'il pleuve. Oui, mais oui. Mais bien sûr que oui, il va repleuvoir. Laisse-moi faire. Allez, faut qu'il pleuve. Oui, il va pleuvoir après. Regardez comment il va pleuvoir après. C'est magnifique. En fait, on aurait très bien pu partir en... oh là là, on s'est fait déborder. Punaise, punaise. Ah punaise, punaise, punaise. Bah ouais, bah voilà, on est les deux derniers. Très bien. Alors, maintenant le but du jeu les gars, c'est de conserver les pneus. Conserver les pneus. Voilà. Vous conservez les pneus et vous allez le plus loin possible. Hop. Et hop. Et là, on va voir ce qui se passe. Parce que là, ça a l'air de devenir de plus en plus humide. Tant mieux. Tout le monde s'arrête au stand. Parfait. On est les seuls en pneus intermédiaires. Parfait. C'est très bon ça. Bon, par contre, derrière, ils vont attaquer comme des salauds. Mais je pense qu'on pourra mettre... Ouais.
Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle fait Aurélie là? Oh, accident! Qu'est-ce qu'elle a eu elle? Elle a fait la toupie, c'est tout. Ok, d'accord, pas grave. Pas grave, elle a fait la toupie. Voiture de sécurité! Putain! Alors. Ah non! Lui, il va pas pouvoir rentrer. Il va pas pouvoir rentrer. Alors, bah Aurélie, c'est toi qui vas devoir faire tout le taf. On va te mettre des... Ouais, on va te mettre des intermédiaires. On va te remettre tout le carburant qu'il faut. On va rien te faire là-dessus. Très bien. Tu as box. Et Sergio. Aïe aïe aïe. Je suis tellement deg. Mais tellement deg. Sergio, bah on va le faire arrêter plus tard. Tant pis. Quel dommage. Ah, get in. Avec les... L'intermédiaire, on met le plein, on repart. Alors on va repartir loin derrière à mon avis, malheureusement. Alors, on part 14. Derrière il y a eu des accidents un peu partout, Sabado, Ja, etc. Il va rester un tour restant. Et devant... Ouais, bah... Non, pas Aurélie, pas Aurélie. Mais Sergio, et effectivement Sergio aussi, on va l'arrêter. Mettre le carburant qu'il faut. Ça va au fond là le carburant ou pas? 9 tours. Non, bah non, bah bien sûr que non, ça va pas la tête. Ouais. Ah, la voiture de sécurité qui fait pas nos affaires en fait. Comme d'habitude, ça fait pas nos affaires cette histoire. Allez, c'est reparti, il va repartir 13. Oui, bah 14. 14. Très bien. Bon, on est 12 et 14. Voilà, et je sais qu'à un moment donné, faudra mettre les watts. Hein. Ouais, je sais qu'elle est hyper basse, c'est pour ça que je te dis qu'il va falloir attaquer. Chauffe tes pneus, ma gueule. Allez, ça va repartir. C'est reparti. Bogiti. C'est reparti. Allez, tout de suite l'intérieur. C'est pas grave. Allez, ma Aurélie. Bah oui, bon sang, bonsoir. Hop, on va se mettre là. Et par contre, Aurélie, ouais, là, elle arrive pas à faire chauffer les pneus. Elle a du mal. Par contre, Sergio, il est pas mal. Je sais pas ce qu'il fait, mais il est en train de se débattre là derrière. Aurélie, c'est en train de remonter au niveau de la température. Ça, c'est bon. Prends ça, imbécile de France. Imbécile de France. Oh là là, t'es pas fut-fut, hein. L'imbécile de France. Bon, là, on est en train de jouer à la conservation des gommes parce que, en fait, la pluie va diminuer et on va peut-être repasser les softs à la toute fin de course. Et du coup, là, on est en mode économie, full économie, pour faire au lieu de faire deux arrêts supplémentaires, comme ça peut être le cas, j'ai l'impression, chez certaines personnes. Marchetta, par exemple, a refait un arrêt. Là, pour le coup, c'est de tenter d'aller le plus loin possible avec les intermédiaires, avec le plus d'essence. Ouais, mais par contre, effectivement... Là, on n'arrive pas à les faire chauffer les pneus. Allez, il faut les faire chauffer. Je sais que l'objectif n'est pas atteint. Il reste 10 tours. On peut aller encore suffisamment loin là. On peut aller vraiment loin. Voilà, vers le 17ème tour, ça va être l'heure de mettre tranquillement d'autres pneus. Quoi. Et devant, ça s'est arrêté. Mélo, ça s'est arrêté. Qui c'est qui a fait deux arrêts? Ouais, devant, ça s'arrête. Je pense que ça va s'arrêter. Hein. Ça va faire deux arrêts. Nous, on va tenter de faire deux, mais on va tenter de mettre les softs tout de suite. C'est osé, hein, c'est couillu, comme disent certains. C'est couillu. On est 9ème, voilà. On avance. Les autres mettent des intermédiaires, mais en fait, à la fin de la course, il n'y aura plus d'eau. Hein. Il va arrêter de pleuvoir. Voilà, on est passé 9ème, très bien. On était déjà 9ème. Hein, c'est ok, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Hein? Voilà, tout le monde est en train de s'arrêter au stand, c'est exactement ça que je voulais. Parfait, tout le monde s'arrête, il va arrêter de pleuvoir. Et dans 2-3 tours, oh putain, on est obligé de faire rentrer Aurélie. Ouais, on va la faire rentrer. Et tu sais quoi, 9-11 tours, oui, on va mettre les softs, on va mettre les super softs, ouais. Et il reste 6 et 6, 12, donc 7 tours de carburant, voilà. Tac, histoire d'avoir un petit peu plus, très bien. Fais voir juste l'état des pièces, on est pas mal. Box. C'est couillu. Et quoi? Non, ça va, tranquille.
Donc ça s'arrête pour Dembélé. Parfait. Et maintenant, à toi mon garçon, pareil, on va te mettre les super soft. Et on va te mettre ce qu'il faut pour aller au bout, c'est-à-dire que là, on avait mis 7, on va mettre 6, 6 et 7, 13. Ouais, ça devrait aller, ça. État des pièces, on est bon, on prend pas de risque. Et voilà. Très bien, comme ça, ça box. Là, c'est reparti. Et là, maintenant, par contre, va falloir push un petit peu pour les pneus. Sans mode moyen. Et là, je pense qu'on devrait... Mais non, pas besoin des pneus intermédiaires, t'inquiète. S'il te plaît. Mais non, toi, tu peux pas, toi. Tu peux. Hop, tac, boum. Voilà, là, comme ça, ça devrait être pas mal. Là, on devrait être pas mal parce que... on a été parmi ceux qui se sont bien arrêtés au moment qu'il fallait s'arrêter. Voilà. Et Aurélie, elle a pas perdu trop de temps. Donc là, on est pas mal. Les pneus, c'est pas mal. Carburant en excès, hop. On attaque. Ça devrait bien se passer. On devrait pouvoir réussir à faire 6ème. Voyons l'état de la voiture. J'ai un peu peur pour l'aileron arrière. Non, en fait, ça va. Allez, mon Sergio. Devant tout le monde. Il y en a deux qui ont pas mis. Qui sont encore en intermédiaire, ces idiots là. Ça y est, ça boxe. Allez, c'est le moment de les dépasser. Et comme de plein, c'est ce qu'on va les. Oui! On est à la porte du sponsor là. On a des pneus à petit peu près la même chose que eux. Il reste 3 tours. La voiture se comporte bien. Les pneus se comportent bien. Carburant en excès. On peut même dépassement. Parfait. Ici aussi. Dépassement. Parfait. Elle est où la Aurélie? Elle est 11ème là. Qu'est-ce qu'elle fout? Allez, c'est le moment de. C'est pas le moment de se laisser faire. Hein. Ah, faut aller chercher cette 10ème place. On veut cette 10ème place. Donc là, on est 7ème, toujours. Devant, ça a l'air de ralentir, je crois. Ouais. Ça, y a moyen qu'on passe 6ème là. Y a moyen qu'on fasse une belle place à l'arrivée. Attention derrière au 8ème. Qui revient à pleine balle, putain, te fais pas des points, le con. Oh la vache. Qu'est-ce qui se passe? Fais voir ton aileron arrière là. Oh la vache. Le contact. On s'en fout, faut que ça aille au bout là. Il reste 2 tours. Putain, mais te fais pas dépasser, il a des problèmes, t'es censé y arriver, t'es censé le fumer le mec. Allez, 7ème. S'il te plaît. Elle est en est où elle? 11ème, tu peux avoir le 10ème. Allez, elle va avoir le 10ème peut-être dans les lignes droites. 8ème ici. Elle est où le 6ème? Putain, mais ils sont à portée. Allez, passe 6ème. Il est juste devant le 6ème. Juste devant, allez, il reste quelques virages. Bon, passer 6ème, c'est fait. 6ème, te fais pas dépasser dans les derniers virages. S'il te plaît, fais pas le mec. Oh putain, 5ème. Oh oui, 5. Et on va venir prendre une 5ème place. Putain, c'est bon ça, voilà. C'est bon ça, bravo. Et Aurélie finit 11ème, bon. Pas mal. Fou. Ah. Ah bah je suis content là. Ah punaise, 5ème, c'est bon ça. Là enfin on a fait une belle stratégie. On a un peu merdouillé au début. Parce qu'on aurait très bien pu démarrer au final en soft ou en super soft. Et finalement on a démarré en intermédiaire. Je pense que bon, voilà. Mais au final on a repris assez vite. Puis il y a eu la safety car qui a fait que tout le monde s'est un peu pété la gueule. Donc c'était un petit peu compliqué, mais on s'est quand même vachement bien débrouillé là. Ah là là, ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Très très plaisir. Là on va prendre des points là. Là c'est bon. Alors ouh putain, là c'est l'heure. Aïe. Aucune règle violée. Yes. C'est bon ça. C'est très très bon. Très très bon. Ah, on marque 16 points. Et Aurélie en marque 11. Encore une fois là, on marque du point là. Valdès remonte à la 10ème place. Ex aequo avec le 9ème. Aurélie remonte à la 17ème place. Enfin, elle bouge un petit peu. Non, c'est bien là. Là, franchement, si on fait un top 10 avec Sergio, je suis content. C'est l'objectif de la saison, clairement, là. On est toujours 8ème, on est juste à un point des 7ème.
Pareil, si on fait 7ème, moi je suis content de, pour une première saison. Pour une deuxième saison, on verra comment ça se passe. François Despiello est vraiment cool. Bon sens de la mode, c'est agréable pour une fois sur le circuit. Bon sang, j'ai bien cru qu'on allait gagner aujourd'hui. Belle course quand même, Octane Racing. Aurélie Dembélé a un magnifique casse. Ça a l'air, ça l'a clairement aidé à récolter quelques points aujourd'hui, MDR. François Despiello, directeur sportif de ZRT Autosport, est ravi à l'idée d'une bonne position à l'arrivée. Mais ouais, mais ouais. Stratégie 3 arrêts au stand aujourd'hui. On aurait fait que 2 nous. Eh ouais. Les fans anglais sont assez particuliers. Vers la fin de la course, il devient difficile de savoir s'ils expriment leur passion ou si simplement bourrés. MDR, ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Alors, résultat des courses. Voyons, bah Sergio va encore un petit peu s'améliorer. Il a 3 étoiles pleines maintenant, donc ça c'est cool. Et puis voilà, donc on va voir la relation qu'ils vont avoir entre Kay Gosselin et puis lui-même. Aurélie est toujours pas mal. Rachel McAndrew, relation 98%, ça c'est cool, ça c'est très cool. Moral à 49%, moral à 97%. Position 3ème. Comment ça, position 3ème? On n'a pas fait 3ème. Résultat attendu 9. D'accord. Tais-toi, toi. D'accord. En valeur commerciale, on augmente, ça c'est cool. Satisfaction, très bien. On gagne plein de pognon. 499 000 balles. Voilà. 500 000, c'est toujours ça de prix. Ça, c'est le résultat du championnat du monde. Ça, c'est le résultat de nous, de notre compétition. Petite sauvegarde. Alors, voilà. Avec un impressionnant temps autour, blablabla. Bla, bla, et effectivement, ça, on s'en fiche. Alors, effectivement, il va falloir réparer la voiture. 12 heures, pas de problème. Guildford Marquetta remporte le GP. Très bien. Vite. Tondela. Ah, on revient à Tondela du coup. Et à Milan et à Mer Noire. D'accord. Très ok. Accélération essentielle. Vitesse max. Virage à faible vitesse. Ok. Et soleil. Très bien. Mais c'est intéressant. Est-ce qu'on conçoit une nouvelle pièce? Déjà, on va regarder nos pièces à nous. C'est où? Voiture. Ah, on peut plus améliorer les pièces. Améliorer des pièces maximise... oui, mais occupé. Ah bah oui, mais je suis bête, faut réparer la voiture. J'ai rien dit. Réparation de la voiture, voilà. Alors, voilà, les réparations sont faites, on peut se remettre au boulot. Je suis complètement bébête. Donc, effectivement, fiabilité, là, faut que ça se fasse rapidement, c'est bien. Faudrait trouver une autre pièce à fiabiliser maintenant. Le moteur est déjà dessus. Non, c'est la transmission. Donc là, on est déjà dessus sur la transmission. Pas de règles violées, donc ça, c'est cool. En performance, on est sur du moteur. Ok. Et on est sur celle-là aussi, sur les freins. Les freins qui sont un vrai défaut, hein, pour le coup. Alors ça, on peut l'enlever déjà de la fiabilité. Ça, on est bon. Sur les freins, on est bon. Niveau fiabilité, on est bon. Et suspension, on est pas mal aussi, fiabilité, tout ça, bon, ok. Il n'y a pas forcément grand chose à faire niveau fiabilité là pour le coup, maintenant on est vraiment pas mal. Maintenant en performance, moteur, oui, 61, on aura développé au maximum le moteur. Et tant mieux. Est-ce que là on aura développé au max le truc, 24? Donc ça, c'est en train de développer ça aussi. Bon, bah non, bah effectivement, on va rester comme ça. Hein. Parce que là, on a une voiture qui est correcte. Elle est correcte. Ici, ah, voilà, on n'a plus à Kakus ou je sais plus comment ça s'appelle là. 1 300 000, 700 000 par course, 800 000, bonus de course, 4ème ou mieux, 6ème ou mieux. Oui, mais je suis pas obligé de prendre cela. Alors, cela, c'est Condor Telecom, ça, évidemment. Ou Ambrosia. Parce que le bonus... on peut faire quatrième. Allez. On va injecter un petit million de dollars. D'euros, plutôt. 1 million d'euros. Nous, Condor Telecom. C'est joli. Joli. Les prochains qui vont sauter sur notre carrosserie, c'est Northern machin. D'accord, et puis Balima, etc. Bon, très bien, et bah, écoutez, c'est tant mieux. Au niveau des finances, on est comment? On est pas mal.
à 3,9 millions. On va continuer. Réparation de la voiture. Est-ce qu'on a besoin de chercher autre chose? Bah je crois pas hein, franchement. Si, c'est les pilotes. Les pilotes. Alors qu'est-ce qui se passe là? Fais voir. Proposition de contrat mannequinat. Essai en mannequinat. Bah écoute, pourquoi pas hein. Mais c'est vrai qu'on m'a demandé de faire du mannequinat pour chiffre. Le chiffre, comme dans James Bond. Il me propose une belle somme, je dois dire. Chiffre est la meilleure compagnie de sous-vêtements. Ah, ah oula, oh. J'ai donc hâte d'y être pour de faire mon show. Qui sait, j'attirerai peut-être de nouveaux sponsors. Mais bien sûr. Bien sûr. Essai en mannequinat. Valeur commerciale, plus 10. Eh, c'est bien ça. Les travaux de performance à l'usine sont terminés. Très bien. Eh ben, on peut... Qu'est-ce qu'on peut améliorer comme perfo, là? Donc ça, on pourra plus l'améliorer. C'est fait. Écoute, on va améliorer ça. Hein. On va améliorer ça. Là... Le moteur, 83, 61, on peut pas faire mieux. Donc tant mieux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme amélioration à apporter là? 32, 38, ça c'est la transmission. Non. Non, non, pas la transmission, non. Dis donc, ouais, bah on est pas mal. Hein. Bah voilà, la suspension. Et puis la fiabilité, quelle fiabilité on peut améliorer? Moi je te le demande, là ça s'améliore. Là c'est bien amélioré, là aussi. Bon bah écoute, allez, on va prendre celle-là. Voilà, voilà, comme ça au moins on sera tranquille. 2 jours avant la course, c'est parfait. Très bien, alors le siège. Ah le siège, mais j'ai pas assez de pognon les gars, je vous le dis, hein, j'ai pas assez de pognon. Si, peut-être pour ça. Centre de recrutement. Déverrouille davantage de pilotes non observés de différents championnats. La variété de pilotes augmente avec chaque amélioration. Pilotes cachés, l'eau, un des... Bref, franchement non. Franchement non. C'est pas encore le moment de faire ça. Centre de prévision, ça on s'en fout. À la limite, le centre de personnel, je veux bien le faire. Mais 5,7 millions. Et j'ai pas suffisamment de pognon. Et pour améliorer les bâtiments, c'est 8. Donc on va encore attendre. L'écurie, elle est bien structurée pour l'instant. Faut juste qu'on cherche 2 pilotes pour la saison prochaine, en fait. C'est juste ça. Voilà. Et puis, ça y est. Et puis là, ah d'accord, du coup, on va déterminer le budget pour l'an prochain. Et on va mettre de côté pas mal de pognon. Coût par course, 1 million. Ouais, quand même. Coût par course, voilà. On va effectivement mettre de côté le budget pour l'année prochaine de suffisamment de pognon pour comment dire, pour qu'on puisse faire oh là, c'est compliqué pour moi hein. On met du pognon de côté pour construire la voiture de l'année prochaine. Donc voilà, on est sur du moyen, ce qu'on mettrait pas sur du élevé, parce que là c'est sûr qu'on va arrêter de... On va arrêter de coup par course 451 000, hein, quand même. Et là, on est à 151 000. Ce qui était déjà le cas, je crois, par le passé. Et ouais, bah, on va faire comme ça. La course coûte 451 000. Oui, non, on va être déficitaire, là. Clairement, on va être déficitaire. Alors, on va le laisser comme ça. On va le laisser comme ça. On met pas mal de pognon de côté, là, j'ai l'impression, depuis un petit moment. Donc ça, c'est cool. Et puis là, pour le coup, bah, ouais, faut qu'on fasse des recherches de pilotes. Donc ça, de bientôt. Ok, très bien. Alors, il reste 11 jours, je crois, avant le début du Grand Prix. Je regarde juste les pièces où elles en sont. L'amélioration se fait bien, correctement même. Dans 2 jours, c'est bon. Donc, bah, écoute, on va repasser comme ça au milieu. Et comme ça, au moins, on aura des pièces vachement bien. Niveau pilote, là, au niveau du recrutement. Dans 10 jours. Donc, juste avant le Grand Prix, on saura. Voilà. Alors. Amanda Cavalcanti, pilote chez Silva Racing, pourrait se diriger vers la porte de sortie d'ici la fin de saison. On peut voir un peu. 21 ans. Ok, 21 ans. Potentiel. Potentiel, elle a fait des bons résultats. Oui, ça dépend, hein. C'est très très mitigé. Rapport d'observation. Alors, fais voir Maëlia machin truc. Oh,
Ouais, bah non, beaucoup trop vieille en plus. Frento, cours pour l'argent. En plus, elle va coûter bonbon. Les sponsors du pilote vous verseront 211 000 euros pour chaque course dans laquelle ils seront appliqués. 50% si le pilote ne participe qu'aux essais libres. Ouais, donc elle, c'est une, c'est une pilote payante, quoi, en fait. Hein, clairement, voilà. Donc, non, pas de ça chez nous. Ok, bah, il reste Lisandro Cruz et puis Axel Dior. Voilà. Ok. C'est tout ce qu'il y a là. On part pour Tondela. Pour Tondela. On a la bonne voiture, on a ce qu'il faut. Voyons un petit peu. Bah écoute, sur l'overview du bordel, on est vraiment pas mal. Bon, bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a autant plu à vous qu'à moi. N'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires sur la vidéo. On se retrouve sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube pour parler F1. Et puis en attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.